Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ok, cette vidéo est un peu tard par rapport à tout ce que j'aurais pu faire avant. Bah, en fait, c'est que là, j'ai pas sorti du dos depuis une semaine, donc j'attendais plutôt le week-end pour en sortir. Et donc, cette mock s'intitule La République attaque une base séparatiste. Juste retirer ça d'abord, voilà. D'ailleurs, je pourrais le mettre rapidement. Voilà. Alors. Donc, dans cette mock, on a de la végétation, un petit peu d'eau. J'avoue que certains côtés, notamment cette bande-là, j'ai pas réussi à remplir. Ici, ouais, non, pas tout de suite. Ici, on a bas de l'eau. Et après, je vais parler un petit peu de l'histoire et de quelques détails. Donc, alors, comme vous l'avez vu sur un de mes tutos, là, ça, bah, j'ai fait un tuto de ça. Un côté de bunker, j'avais mis. Mais le bricoleur avait plutôt pensé que ce serait un côté de château, ou je crois que c'est le bricoleur, je sais plus. Voilà. Également, ici, là, j'ai fait un bunker comme ça. Un petit peu à la va-vite, je me suis dit il y a quelques pièces, voilà. Sinon j'ai directement commencé du côté champ de bataille. Donc il y a de la végétation, évidemment. Voilà. Des clones, un clone sniper. Donc, qui tire sur les droïdes en haut pour la défense. Il y a du Monty qui mène une attaque avec un Arc Trooper et un clone spécial. Un clone qui fonce, un clone mort avec là ici un droïde, je zoome. Hein. Ici ben, on est sur la végétation, un droïde mort, un clone, un clone sergent custom, un arc mort, un droïde percuté, plutôt qui vient de se faire tuer par un clone sergent. Un arbre qui regarde un petit peu de ce côté. Après on va passer du côté base qui est, bon, en fait c'est plutôt une base je sais pas comme par exemple les Romains ils faisaient avant en gros dans l'histoire quoi, donc des bases comme ça quoi, des camps, des trucs comme ça. Ici on a un droïde mort, un super droïde, toujours de la végétation, le droïde en haut avec ici de la végétation, un petit passage pour avoir un accès jusqu'à là. Et également, c'est la première fois que je fais un truc comme ça là. Donc c'est toutes des vraies briques, évidemment. Donc je vais tourner un petit peu. Donc là je suis une paire avec mon trépied parce que après cette vidéo, dans l'heure, peut-être même les minutes qui vont suivre, je vais publier un petit update. J'en dis pas plus. Sinon ça va tout niquer. Un petit update sur un camion que j'ai commencé à faire. Et donc j'avais fait un live, mais je vais en parler plus tard. Plus tard, plus tard, Donc le bunker il est comme ça là. Tout ça, tout est posé, voilà. Mais si on a des caisses, des barils, même si je sais que c'est pas trop Star Wars, mais j'avais envie. Ici des clones, un super droïde un super droïde, un droïde qui commence à répliquer contre les clones là. Ici une petite rangée de une muraille, mais qui est pas très très belle. Donc en fait si on veut pour l'attaque, ils étaient pas du tout prêts, les droïdes, à une attaque comme ça. Donc ici on a déjà des droïdes qui commencent à prendre des caisses pour s'en aller. Vu qu'ils ont posé une bombe, et du coup on va de ce côté-là. Un côté où j'apprécie pas mal. J'apprécie pas mal. Ici là, donc là on a le là avec l'ARR. Ici. Ici. Donc de l'autre côté quoi. On a les droïdes là avec un truc comme ça, là un petit passage qui arrive directement là. Donc là j'ai pas voulu continuer.
Je me suis dit, c'est la première fois que je teste ce genre de truc. J'ai essayé et je trouve ça classe. Et donc aussi, donc voilà, et donc il y a rien au fond parce que j'avais pas pensé à mettre directement des trucs. Donc alors, également pour encore en rajouter sur l'histoire de la moque. Donc c'est des Mandaloriens parce que j'avais pas envie de mettre Grievous ou quelqu'un d'autre. Donc c'est un chef Mandalorien là. Qui bah, commande la base avec un droïde sniper. Je sais pas, sergent, un truc comme ça. Donc là, ici, on a un Mandalorien également qui avait posé une bombe, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont envoyé les 10 mineurs de ce côté au niveau de la base. Là, avec un des Mandaloriens qui est mort, donc les deux sont morts. Mais lui, il a eu le temps de mettre la bombe. Donc vous allez le remarquer là, par contre, c'est pas du vrai Lego, c'est du Mega Bloks. J'avais pas trop trouvé pour faire ça. Et sinon voilà, c'est pareil également pour ça. Donc je vous le dis simplement qu'il y en a qui dirait sans que bah, je l'ai aperçu moi-même que c'est ah c'est pas des vrais Lego, des trucs comme ça quoi. Ce genre de commentaire un peu débile. Alors qu'au final après on se rend compte de l'erreur quoi. Voilà, donc c'est tout pour cette moque. Et la prochaine. Le premier update qui va durer pendant je sais pas combien de temps arrive dans l'heure qui suit là ou peut-être je sais pas les minutes. Salut.